Ouais, salarié toute ta vie. Ça, c'est bien ça. Parfait. Ne bouge surtout pas. Reste là comme ça. Ne bouge pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais l'objectif, les gars. Il faut qu'on atteigne les 100K d'abonnés. Donc, les gars, si vous ne vous abonnez pas, ça ne va pas se faire tout seul. Donc ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, déterminé, motivé à passer à l'action, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, donc être libre géographiquement. Hein, c'est ce que l'on aime, mon gars. Donc, on est toujours en Colombie. De toute façon, là, je vais être pendant un moment, les gars. Là, je vais être en Colombie pendant un moment. Bon, après, tu connais, des fois, moi, du jour au lendemain, je dis oui, je reste en Colombie, puis boum, je me retrouve au Brésil. Bon, mais normalement, je pense que je suis pour un petit moment en Colombie. Donc, les gars, vous pouvez faire exactement comme moi. Aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Voilà, j'ai créé mon premier business en ligne. Ça fait maintenant depuis fin 2016, je pense. Ok, où j'ai généré mon premier argent, là, les premiers 20 000 euros là, que j'ai fait en une semaine. D'ailleurs, tu as la masterclass où je t'explique exactement. C'est offert, où je t'explique exactement comment j'ai fait pour pouvoir faire ça. Et j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Ok, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. J'ai grandi dans un quartier, arrête de trouver des excuses, mec. Juste passe à l'action avec les bonnes informations. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. 7 conseils pour être sûr de ne jamais devenir riche. Ça, c'est important, ça, les gars. Hein, on n'en parle pas assez souvent, j'ai l'impression, dans cette chaîne. Hein, et dans le monde, d'ailleurs. Hein. Donc là, les gars... Partagez cette vidéo à un maximum de personnes, ok? Toutes les personnes qui veulent ne jamais devenir riches, très important de propager le message, les gars. Ok, je compte sur vous, hein. Parce que quand c'est pour propager des vidéos de chats ou de je sais pas quoi, de l'humoristique, là tout le monde partage. Oui, oui. Très important, les gars, 7 conseils pour être sûr de ne jamais devenir riche. Très important. Premier conseil, la base, j'ai envie de te dire, c'est d'écouter toutes les personnes qui sont autour de toi. Toutes les personnes autour de toi qui n'ont pas de résultat. Donc voilà, ça c'est la base, les gars. Hein. Écouter toutes les personnes hein, qui n'ont, par exemple, qui ne sont jamais devenues riches, qui n'ont jamais. Après, riches, hein, tu sais que dès que tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es considéré comme riche hein, en France. Hein, ok? Je crois que c'est 20% de la population qui touche 10 000 euros par mois. Voilà, donc tu es riche à partir du moment où tu fais 10 000 euros par mois. Donc, du coup, si jamais tu veux devenir riche, écoute toutes les personnes qui ne font pas 10 000 euros par mois. C'est très important. Écoute toutes les personnes qui ne s'enrichissent pas, qui sont ni sur le chemin. À la limite, tu peux écouter... Ah non, mince, j'allais te donner un bon conseil, je suis un ouf. Non, n'écoute pas ni les personnes qui sont en train d'évoluer, que tu vois que chaque mois, ils commencent à gagner un peu plus. Non, non, non. Écoute vraiment les personnes qui, tous les jours autour de toi, en mode gilet jaune, état d'esprit, le gouvernement va m'aider, etc. Très important de leur demander des conseils. Quand tu veux te lancer dans un business, tu vas aller voir, tu leur demandes, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de lancer ce business-là? Et donc lui, il va te dire, mais non, t'es malade. Je connais mon cousin Germain, Marcel, il a essayé de se lancer et ça a complètement foiré, il a perdu tout son argent. Donc si tu le dis, si jamais tu veux te lancer et tu veux perdre aussi tout ton argent, mais vas-y, vas-y. Mais dis pas que je t'avais pas prévenu. Donc ça, c'est très important, les gars, ok? Donc toujours prendre des renseignements, des infos avec des personnes qui n'y connaissent rien. Ça, c'est bien, ça. Bien. Deuxième conseil, magnifique cela, pour ne jamais s'enrichir. Et ça, en général, c'est des personnes qui déjà, ils ont conscience qu'il y a moyen de faire un peu d'argent, tu vois, sur Internet et tout, machin. Hein, c'est de regarder que du contenu gratuit sur YouTube. Voilà, ça, c'est bien, ça. Hein, je prends toujours cet exemple-là du gars qui m'avait appelé, je l'avais eu au téléphone, et il me dit, ouais, ça fait 2 ans que je me forme, j'ai pas de résultat. Je lui ai dit, comment ça, 2 ans que tu te formes, t'as pas de résultat? J'ai dit, comment même c'est possible ça? J'ai dit, c'est pas possible. Ça veut dire, j'ai même pas eu de doute. J'ai dit, mais c'est pas possible en fait. Ou tu suis pas la formation, ou machin. J'ai dit, ou sinon tu appliques pas. Je lui ai dit, sinon tu appliques pas. Ou sinon, je lui ai dit, ou sinon tu passes pas à l'action. Arrête, il me dit, si, je passe à l'action et tout, machin. Je dis, ok, donc si c'est pas l'action, le problème c'est. La formation, alors, quelle est la formation que tu as pris? Arrête, il me dit, non, mais en fait, quand je dis je me forme, c'est-à-dire que je regarde des vidéos gratuites sur YouTube, quoi. Enfin, il n'a pas dit des vidéos gratuites, mais je regarde des vidéos sur YouTube. Il dit, ah, d'accord, ah, ok. Eh bien, continue comme ça. Surtout, n'investis surtout pas en toi. N'investis surtout pas en toi. N'achète surtout pas de formation hein, où c'est bien détaillé étape par étape, où tu as une aide et tout. Non. Surtout, ne fais pas ça si jamais tu ne veux pas t'enrichir, comme ça, tu auras le même résultat que lui. Il fait 2 ans, le gars, 2 ans, je sais pas si tu imagines. 2 ans de ta life. 2 ans, mec, si tu as une formation, tu suis, tu es obligé d'avoir des résultats. C'est pas possible, en fait, de pas en avoir. 2 ans, c'est pas possible. Tu as une formation, tu suis, c'est pas possible de pas en avoir. 2 ans, c'est pas possible. C'est pas possible que tu n'aies pas fait rentrer de cash. Il n'avait rien à rentrer. Rien, rien, rien. C'est impossible. Donc, du coup, si jamais tu veux vraiment ne pas devenir riche, très important, regarde que du contenu. Chut, ça, gratuit sur YouTube.
contentez bien. Troisième conseil, surtout ne pas avoir d'objectif, ne pas planifier sa vie, d'accord? Alors, très important de planifier ses vacances. Hein, planifier comment on va s'habiller demain, planifier qu'est-ce qu'on va manger demain, ce midi, voilà. Ça, c'est bien. Ça, planifier ça. Par contre, planifier sa vie, non. Non, non, non. Non, non, très mauvaise idée. Ne fais surtout pas ça. Ok, planifie rien, rien. J'ai entendu dire qu'il y a des milliardaires qui planifient après même leur mort qu'est-ce que leur business va devenir, qui laissent des directives après leur mort. Donc les gars, ils sont en mode, ils planifient sur 100 ans quoi, tu vois. Alors surtout ne fais pas ça, ok. Ne fais surtout pas ça, ok. Ne planifie rien. Vis comme ça. Oh il fait beau, oh, c'est bien là. Oh il pleut, oh ça c'est bien ça, très bien. Quatrième conseil, et tu l'as vu venir parce que tu me connais, hein, regarde tous les épisodes de Netflix. Ça, c'est la base, les gars. Ça, regarde tous les épisodes de Netflix, tous les films, quoi. Tous les films, surtout pas tous les films, non, toutes les séries. Très important, toutes les séries. Tu enchaînes toutes les séries, puis après, tu en parles avec tes amis. Tout ça, vous rigolez. Ah comment, t'as vu la scène ah ouh. Tu vois. Très important ça, donc il faut vraiment que tu enchaînes et surtout un minimum de temps. Si tu peux faire ça, ça c'est parfait ça. Comme ça, tu enchaînes tout. Il faut que Netflix n'ait plus aucun secret pour toi. Cinquième conseil, et pas des moindres, hein, c'est de toujours rester salarié. Ne va pas t'aventurer et si je crée mon business en ligne, hein, en prenant la formation qui est juste en dessous par exemple. Hein, il y a le masterclass offerte où je te montre comment j'ai fait. Pour pouvoir faire 20K, ne l'apprends surtout pas. Et je te dirai même plus, ne prends surtout pas la formation influenceur 2.0 parce que sinon tu risquerais d'attirer l'argent à toi. Donc surtout non, non. Hein, surtout qu'en plus c'est un prix pas cher, hein, je te le dis. L'investissement est vraiment dérisoire. Moi, chaque le pantalon que tu portes sur toi, j'aime bien dire ça. Donc surtout, ne prends pas ça parce que tu risquerais d'avoir des résultats. Ok? Donc surtout, ne te lance pas, reste salarié, voilà, avec des collègues que tu n'aimes pas forcément, avec un patron que tu n'aimes pas forcément, avec un travail où tu t'épanouis pas forcément. Ça, c'est très bien ça. Comme ça, tu es vraiment dans le rythme métro-boulot-dodo jusqu'à la mort. Hein? C'est bien ça, non? Hop, tu te lèves tous les matins, c'est la même chose tous les jours, hop, tu travailles 5 jours pour avoir 2 jours de repos, tout le week-end, et tu as peut-être 5 semaines de vacances, voilà, toute la vie, comme ça, tu vis de paye en paye, hein, à chaque fois tu repars à zéro, chaque mois, évidemment, hein, jusqu'à la retraite que tu n'auras pas, et après tu meurs. C'est bien ça, dis donc, ça c'est un bon projet, ça. Ça j'aime bien ça, ça les gars j'aime bien, ça il y a de l'ambiance dans cette vie, ça c'est très très bien, ouais, salarié toute ta vie, ça c'est bien ça. Parfait, ne bouge surtout pas, reste là comme ça, ne bouge pas. Parce que de toute façon, les autres, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est des pigeons, c'est des arnaqueurs, c'est le business, entrepreneuriat. Écoute, je connais ma cousine Germaine qui a voulu lancer un business, station essence. Ça a capoté. Ça a capoté. Hein? On a un autre qui a voulu lancer un business en ligne, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, voilà, reste comme ça, salarié, bien. Sixième conseil, là je te dis c'est un conseil, mais bon, je pense que t'as même pas besoin de moi pour pouvoir mettre en place ce conseil. Hein. Je pense que tout le monde est déjà dedans, hein. Tout le monde applique déjà ce conseil naturellement, c'est naturel, pas besoin de réfléchir, tu vois. C'est que chaque mois, il faut qu'absolument tu reviennes à zéro. Ça veut dire, tu touches 2000 euros, le mois d'après, il faut qu'il ne reste zéro. Dans les 2000 euros, il faut qu'il reste zéro. Okay? Et ça, c'est un principe que tu dois mettre sur chaque étape. Hein. Ça veut dire si tu fais 10 000, hop, hop, il faut dépenser tout pour que le mois d'après, tu repartes à zéro. Okay? Très important. Ne commence pas, genre, il te reste 1 euro, 2 euros. Non, non, non. Là, tu commences à filer un mauvais coton. Il faut vraiment que chaque mois, tu repartes à zéro. Et je dirais même plus que tu partes à moins. Ça, c'est pour les meilleurs. C'est pour les meilleurs. Et plus tu pars à moins, meilleur tu es. N'aie pas peur, quoi. Si tu peux y aller, genre, au lieu d'être à zéro, tu es à moins 5, moins 10, moins 100, moins 200 chaque mois, moins 500 par mois, moins 1000, moins 10 000. Là, mon gars, je peux t'assurer que tu ne seras jamais riche. Là, je peux te dire qu'avec ce conseil, juste avec ce conseil-là, tu n'as même pas besoin de suivre les autres. Juste celui-là, tu es bien. T'as niqué le game. Respect, chapeau bas. Chapeau melon et botte de cuir. J'ai jamais compris cette expression. Chapeau melon, botte de cuir. Est-ce que même je la dis correctement cette expression? Parce que tu connais là maintenant entre l'anglais, là je me mets à l'espagnol. On est mélangé dans la tête. On est mélangé. Septième conseil, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au premier conseil. Comment ça va là? C'est pas la même chose là, pratiquement. C'est pratiquement la même chose là, non? Bah écoute, c'est noté. Hein.
Septième conseil, c'est surtout d'écouter toutes les personnes qui n'ont pas réussi. Donc en fait, j'ai déjà dit au début de vidéo, mais bon, comme c'est noté, bon, je le redis quoi. Donc septième conseil, les gars, surtout écouter toutes les personnes qui n'ont pas réussi. Ça, c'est très important. Faut pas t'aventurer à parler à des gens qui ont réussi. De toute façon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok? C'est... Si tu veux des conseils, je sais pas moi, sur la santé, ben va voir quelqu'un qui est en mauvaise santé, par exemple. Et encore la santé, bon, c'est encore un peu, parce que des fois, tu peux être en mauvaise santé. C'est pas lié forcément à tes habitudes, mais en tout cas, beaucoup. Mais on va dire, imaginons que tu veux perdre du poids, demande des conseils à un obèse. Une très bonne idée, tu vois. Ben là, c'est pareil. Si jamais tu veux vraiment devenir riche... Ah non, non, non. Si tu ne veux pas devenir riche, voilà, très important. Demande vraiment des gens à des conseils, tous les gens qui n'ont pas réussi. Tous. Regarde les vidéos de tous les gens sur YouTube qui disent oui, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et tu leur demandes des conseils. Mais comment t'as fait tout pour pas réussir? On va te dire, bah, eux-mêmes ils savent pas. Eux-mêmes ils savent pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es un rageux, toi tu veux devenir riche. Comment ça? Reste salarié, mon gars. Nous on est bien, nous. Hein? Hein? L'enrichissement, c'est pas pour tout le monde. Hein? Moi je peux comprendre. Hein? Je peux comprendre si tu veux pas devenir riche et c'est normal. Hein, tu veux pas devenir libre, voyager où tu veux, avoir la liberté de faire ce que tu veux. T'as raison, mon gars. Reste comme ça. Okay? Et pour les autres, bah, t'as tout en description, mon gars. Okay? T'as la formation Influenceur 2.0 à un prix accessible. Si tu veux te lancer dans le business en ligne, t'as la formation Influenceur 2.0. T'as juste à y aller, c'est cadeau, les gars. Okay? Et t'as tout pour pouvoir lancer ton business. Comment gagner de l'argent avec YouTube, Instagram. Comment devenir infopreneur. T'as tout dedans. Okay, tu as tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir créer ton business en ligne à un prix défiant toute concurrence, mon ami. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Donc, choisis ton camp.